Français en sélection, mais le reste de la saison, Franck Ribéry est munichois. Au Bayern depuis 2007, l'international tricolore a conquis le cœur des Allemands au point d'être surnommé Kaiser Franck. Alors la rencontre ce soir face à l'Allemagne aura une saveur particulière, l'occasion aussi de retrouver des joueurs qu'il n'a pas l'habitude d'affronter, ses coéquipiers. On va sans doute se retrouver l'un en face de l'autre. On se connaît maintenant depuis de longues années, c'est un joueur sensationnel, l'un des meilleurs en Europe et aussi dans le monde. Ce sera une tâche ardue de l'arrêter, mais je me réjouis de le défier et je suis sûr que lui aussi. Ce sera un duel intéressant. Cette situation, d'autres Français l'ont connue avant lui. C'est le cas de Willy Sagnol, l'ancien défenseur du Bayern Munich le connaît personnellement et pour lui, Franck Ribéry n'est pas celui que l'on croit. J'ai joué avec lui, donc je sais qui il est réellement, comment il est réellement. Mais souvent, l'image qu'il a eue à l'extérieur ne reflétait pas sa vraie personnalité. Donc c'est dommage, mais après, chacun est responsable de ses, je dirais, ou de ses erreurs ou de ses succès. Mais pas de doute sur ses qualités sportives. Avec 6 buts et 15 passes décisives en 30 matchs depuis le début de la saison, Franck Ribéry ne sera pour une fois pas vénéré par le public allemand.